Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter des petites tenues à porter cet été. Puisque dans ma dernière vidéo sortie dimanche dernier, on a fait ma valise ensemble. Et d'ailleurs la vidéo vous a bien plu, donc merci beaucoup pour tous vos retours positifs. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve mercredi en vidéo un peu bonus pour vous montrer les vêtements que j'ai... Ouais, les quelques pièces que j'ai emmenées dans ma valise. Sous forme un petit peu de lookbook, un peu vlog, enfin vous allez voir. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et c'est parti. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Alors, première petite tenue sympa pour l'été, c'est cette petite robe en jean de chez Jennifer avec le petit top pareil de chez Jennifer, crop top. Je trouve que ça se marie plutôt bien ensemble, le jaune et le bleu comme cette jean. Je trouve que c'est franchement une petite tenue super sympa pour l'été. On change complètement de style avec cette combinaison qui vient de chez Stradivarius à rayures que je trouve juste canon pour les soirées d'été. En plus elle est hyper confortable et derrière il y a un petit nœud comme ça que je trouve aussi super joli. Troisième tenue, cette petite combi short que je trouve très fraîche pour l'été. J'aime vraiment porter ce genre de combi en été parce que c'est super confortable, c'est léger, ça tient pas trop chaud et ouais c'est trop chouette. Et elle vient de chez Stradivarius, aussi j'aime trop le petit détail de la boucle de la ceinture. Une autre combi short tout aussi confortable, celle-ci vient de chez Jennifer. Et ouais je trouve ça aussi très frais pour l'été, très confortable. Donc on peut soit la porter comme ça, épaule dénudée, soit vous pouvez hop la remettre en mode un petit peu plus basique au niveau du col. Mais c'est même plus confortable comme ça j'avoue. Mais je trouve ça aussi très joli, voilà, les petites épaules dénudées, hop. On passe au short et j'ai tout d'abord celui-ci, un petit kaki avec des petits boutons comme ça, je le trouve vraiment très sympa celui-ci. Et il vient de chez Stradivarius. J'ai aussi celui-ci en coupe un petit peu jean mom et je le trouve trop sympa. Celui-là je l'avais eu chez Urban Outfitters. On passe maintenant à un petit short un petit peu plus coloré en jaune. Si vous me connaissez, vous savez que c'est ma couleur préférée. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais maintenant vous le savez. Et je le trouve trop joli. Il y a des petites perles juste ici. Par contre, par rapport à la boutique, je saurais pas vous dire puisque c'est ma mamie qui me l'a offert. On était ensemble dans une petite boutique. Et d'ailleurs, c'était trop chouette ce petit moment shopping avec ma mamie. Et voilà, donc je le trouve vraiment super joli. Et aussi parfait avec un petit haut blanc comme ça. Et le dernier short que je vais emmener, c'est celui-ci de chez Jennifer, que pareil j'adore, avec les lacets sur le côté, les petites déchirures, j'aime trop. Et je trouve qu'il se marie super bien avec ce petit t-shirt à épaules dénudées. Pareil, j'aime beaucoup ce t-shirt jaune. Et vous voyez au niveau des manches, il y a vraiment des petits détails très jolis, que j'aime beaucoup. Comme t-shirt, je compte aussi emmener celui-ci qui vient de chez Bershka. Il est tout simple, le bleu marine, mais je le trouve trop canon. Et aussi, là, je l'ai raccourci, mais sinon, hop, il est comme ça. Et soit rentré dans un jean comme ça, enfin, ou dans un short. Ou alors, comme j'avais fait, en mode un peu raccourci, où on voit le petit bidou. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Et la dernière tenue que j'ai à vous montrer, c'est ce petit ensemble de chez Stradivarius, jaune toujours, que je trouve trop joli aussi, très mignon, très fluide, très léger, très confortable pour l'été. Bref, parfait je trouve, et on peut soit le porter voilà, en mode ensemble uni, ou alors on peut mettre avec le short un petit top blanc, ou alors un jean ou un short avec le t-shirt. En fait c'est comme on veut. On peut soit le porter ensemble, soit dépareiller. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Par contre, il faut un petit peu que je le repasse. Parce que là, c'est un petit peu froissé. Mais bon, c'est pas très grave. voilà pour cette dernière tenue que j'ai à vous présenter. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez aimé ce petit format et apprécié les petites tenues présentées. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.